Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode bonus de l'épisode 6 de Dragon Ball Xenoverse 2. Donc c'est parti pour les quêtes parallèles, du coup, hein, épisode bonus. Donc on va voir les quêtes qu'on a débloquées. Donc la 15, on n'a pas la 14. Merde. Et la 17, donc la 17 on la débloque en faisant la 16, enfin avec... qu'on va débloquer en faisant la 15, mais du coup la 14 je sais pas comment la débloquer. Bon ben on verra, on fait la 15 et on verra bien si ça débloque la 14 ou pas, ou s'il faudra refaire la 13 pour débloquer la 14. Donc bah c'est parti pour la 13. Non, c'est pas c'est parti, d'abord on va voir la tenue de baseball du Capsule Corp. Ok, bon, donc c'est parti là pour le coup. Et alors ce qu'on va faire, ce que j'ai fait plutôt, c'est j'ai fait un build Kaioken, puisqu'en fait je suis allé dans le magasin des techniques et j'ai acheté certaines techniques. Alors voilà, donc j'ai attaque Kaioken, ensuite j'ai le Kaioken Kamehameha, donc point fantôme, super point du dragon, pareil, enchaînement de la victoire, pareil, Kaioken Kamehameha x4, et le reste c'est pareil, voilà, tout simplement. C'est juste, j'ai acheté 3 attaques. Donc l'attaque Kaioken, le Kaioken Kamehameha et le Kaioken Kamehameha x4. Donc bah allez, on va faire le truc. Donc c'est récupérer 3 boules de cristal, mais d'abord on va se faire tuer. On va se tuer Burter d'abord. Loupé. Et il fait très mal le Kaioken Kamehameha. Et en plus le perso se transforme en un peu Kaioken, ça c'est bien. Parce qu'en fait quand j'ai vu ça, j'ai dit bah je le prends. Je savais pas que ça allait donner. Et franchement, c'est assez sympa. Alors, on va se faire Rukom. J'ai mis aussi le super point du dragon parce que ça ressemble beaucoup au Kaioken. Du coup, il y a le trace rouge là. Et bim! Ça se chaîne bien. Nickel. En plus, le Kaioken Kamehameha x4, apparemment, il s'envoie assez rapidement. Et ça, c'est sympa. On va tester ça. C'est énorme! Putain, je trouve ça énorme quoi. Bonsoir. Ah oui, ici j'ai rajouté des points d'attribut. Donc dans l'endurance, vous voyez ma barre d'endurance elle est beaucoup plus, elle est plus haute. Et en attaque de base aussi, parce que j'utilise beaucoup l'attaque de base. Et voilà. Par contre, il fallait peut-être que je mette quelque chose prêt à l'action pour augmenter mon... Mince. Bon, on va le faire, mince. Donc ça, je vais le perdre pour augmenter mon endurance. Vas-y, perds. Voilà, et avoir augmenté. De toute façon, c'est juste à côté. Les autres où sont? Allez, go. Go, go, go. Ah oui, je rappelle, hein, je n'essaie pas d'avoir la fin ultime. Hein. Tout ce que j'essaye, c'est juste de faire les quêtes en relation avec l'histoire principale, c'est tout. Juste parce que, en même temps, ça fait augmenter le niveau, ce qui me permettra de faire plus facilement les quêtes principales. Et aussi, comme ça fait découvrir, redécouvrir un peu certains combats, ça m'arrange. Même s'il n'y a pas d'histoire, ça, assez intéressant. Je faisais pareil dans le premier, mais pour moi, quoi, pas en vidéo. Donc du coup, là, j'ai dit, je le fais. Ça peut intéresser des gens. Allez, putain, on peut pas monter trop haut, c'est ça que je... Ce qui m'énerve dans ce jeu aussi, c'est... Enfin, comme dans le premier, quoi, tu peux pas monter très haut, quoi, et ça, je trouve ça dommage. Ça aurait été trop bien de pouvoir monter plus haut, de voir la map d'en hauteur, bon, même si elle est déjà grande, hein. Mais je sais pas, c'est... En même temps, c'est aussi un rêve de fan, quoi, de pouvoir naviguer, par exemple, toute la map de haut, comme dans l'animé, quoi.
Ah putain, bravo. Et loupé, je suis à côté du mur, quel point. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. On va se végéter, hein. Nickel. Allez, viens, Rikoum. Rikoum, merde, n'importe quoi. Ginyu. Fais mal, hein. Allez. Putain, c'est génial, franchement. Franchement, j'adore. J'adore ça. En plus, c'est bien parce qu'avec l'humain, comme ça, on peut avoir le Kaioken. Bon, on peut avoir le Kaioken avec toutes les races. Mais comme là, l'humain n'a pas vraiment de transformation, bah, du coup, le Kaioken, c'est assez sympa de l'avoir. J'ai envie juste de me transformer. Comme ça, et faire le Kamehameha x4. Voilà. Juste un kiff. C'est génial. Non. Voilà. Hop là. Ah, oui, là. Là. Ah putain, j'ai perdu l'endurance. C'est où, c'est où, c'est où, c'est pas loin. Dans l'eau. Hop là. Donc là, j'aurai sûrement la fin ultime, mais bon. C'est pas ce que je cherchais. Hein. Vraiment pas ce que je sais. Ce que je cherchais. Du coup. Hop là. Allez. Hop là. C'est bon. Ah non, il en manque une. Putain, merde. J'avais même pas capté qu'il en manquait une. Quel con. Ah, par contre, voilà, dans celui-là, il n'y a pas le bip. 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 À chaque fois qu'on se rapproche d'une boule de cristal. C'est quand même mieux parce que dans le 1 il faut dire que des fois c'était assez chiant le bip 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 bip. Allez, ça va. Non, je peux pas me transformer en Kaioken lorsque j'ai une boule de cristal, juste pour savoir. Allez. Ok. Donc, ok, bon. Et l'âme tournoyante, l'évasion. Ok, bon, ben ça va, du coup. Du coup, du coup, du coup. Réussi le défi de Monsieur Satan. Bon, ça y est, c'est fait. Mais on s'en fout. Donc voilà, j'ai la numéro 16. Bah, qu'on va faire, du coup. Et qu'est-ce qu'on a? Une ninja capsule corp. Bon ben on va voir. Allez, par contre je sais pas comment avoir la 14. Allez. Alors, abat l'armée de Freezer. Bon ben on va tuer les sbires. Merde, pas touché. Aïe, à toi maintenant. Touché. Putain, ça fait extrêmement mal quand même. Hein. Le Kaioken Kamehameha. Voilà. Allez.
Bon, je fais beaucoup cette attaque parce que je la trouve sympa, mais bon, je vais peut-être arriver. Merde, putain, il m'a coupé. Et bim, t'es mort. À toi. Merde, putain, j'ai pas fait exprès. Bonsoir. Et bim, Kaioken. Ça, c'est génial. Allez. Oh putain, dommage. Ah oui, avant d'utiliser l'attaque Kaioken, il faut mieux utiliser un Salamander Break. Au moins, votre ennemi, il a plus d'endurance pour esquiver en fait. Allez, c'est qui que je vais affronter? Ok, encore des sbires. Bon, bah du coup. Donc, bah du coup, c'est amusement quoi. Ah, loupé! Par contre, ça lui a fait mal. Et bim! À toi. Merde! Allez, comme il y en a deux, ils vont recevoir tous les dégâts. Lui, il est mort. Oui! Ah putain, j'avais pas assez d'endurance. Ça fait que j'en tue 15 en fait, j'avais pas capté. Ah, il est pas mort. Franchement, mon perso il est assez sympa parce qu'il est assez bien encore à corps. Ce que je trouve dommage, pour... j'ai pas trouvé encore pour le moment, mais je sais pas si ça existe, mais c'est le fait de pouvoir changer les attaques de base, par exemple. Parce que franchement, avoir des attaques de base variées, par exemple, prendre des attaques de base de Sangoku, de Vegeta, de n'importe qui quoi, franchement ça serait bien parce qu'au moins ça pourrait varier notre personnage. Mais je pense pas que ça y est. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas vu mention nulle part, donc du coup je pense pas que ça puisse se changer. Allez. Ouh, j'ai perdu. Et merde, ça sert à rien. C'est pas grave. Loupé. Allez. Ah non, ça a annulé l'éveil, merde, j'ai cru qu'on pouvait augmenter encore plus haut, mais non. Comme ça fait mal! Ah, par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il sort le Kaioken alors que je suis en Kaioken. Bon, ça, c'est juste les animations. Allez. On y va. On y va. Putain, franchement, je m'éclate là au corps à corps avec ce perso. Hein. Enfin, avec mon perso de base, quoi, mais. Et je m'éclate quand même. Et du coup, on va peut-être attendre que mon endurance soit remontée. Parce qu'on sait jamais ce qu'on va attendre à. À voir à l'intérieur, il me reste quoi? J'ai pas vu combien il fallait que j'en tue en fait. Allez. Faut que j'en tue 15, il m'en reste 4 alors. Bon, c'est bon. Allez. Ok. Zarmon d'Odoria. Ah merde, dommage. Bon, par contre, là, dans le vaisseau, c'est horrible, hein, les...
On va se faire dans le derrière les jambons. Bon, personne. Je n'ai eu personne. Putain, là par contre pour faire des trucs c'est... Oh, j'ai pas vu. C'est pas grave. Putain, on voit rien, la caméra, sérieux. La caméra elle aussi. Aussi chiante que dans le 1. Alors, attends. J'ai une idée. Ça a marché. Oui. Bon d'accord, ça marche pas le Kaioken en fait dedans. Enfin l'attaque Kaioken. Et bim. Zarbon. Bim. Oh non, j'ai loupé. Merde. Bim. Voilà, c'est bon. Maintenant, plus que toi, et t'es mort. Et j'ai gagné. Bon, ben par contre... Et bim, voilà. Par contre, c'est vraiment la merde hein, dans le vaisseau. D'accord, ok. Bon, je sorte du coup, je suppose. Allez. Par contre, c'est un peu bizarre parce que pour activer le Kaioken, il faut du ki et de l'endurance en fait. Par rapport au ki que tu transformes. Le Kono Ginyu, Jesse, Burter et Ginyu quoi. Alors, on va faire Burter. Aïe. Bim. Merde. Et bim. Aïe, Jesse, où est-ce? Ouah, j'ai perdu. Quel con. Allez. Allez, bim! Putain, il est pas mort! Putain, le Kamemba x4, il est pas super puissant du coup. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Allez, bim! Bon, d'accord. On va l'enlever. Allez, viens. Ah, putain. Merde, j'ai tourné la caméra quand même. Ah, Krillin vient m'aider, mon entraîneur. Merde. C'est bon, il est mort. Ah non, putain. Bim. Bim. Ah, j'ai passé dans deux équipes.
Il est mort. Nickel, trop beau. Ok. Tu es ninja, ok. Et pose B. Voilà, ça c'était nickel. Là c'était bien quand même. Hein. Franchement, je me suis bien éclaté à tuer tous ces. C'est d'abord les sbires, hein. Il fallait en tuer 14. Mais franchement, je me suis vraiment, vraiment bien éclaté là pour le coup. Donc, du coup, bah, la 16 elle est faite. Il manque toujours la 14 que je verrai comment l'avoir plus tard. Et on va faire la 17. Donc, Guignou et le fruit. Allez! Allez, allez, allez. Du coup. J'ai même pas regardé ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Comme d'habitude, enfin, on va me dire. Je ne regarde jamais. J'y suis un peu con. Alors. Bon, bah, tous les ennemis. Ok, bah, c'est simple. C'est un peu efficace, Tricom. Ok. Voilà. Oh là, ça fait mal par contre. Thalès. Putain, là, je vais galérer. Seul contre tous ces persos. Ça, c'est marrant. On fait du challenge. Ah, putain. Vite, vite, vite. Je l'ai éliminé, je crois. Non. Ah d'accord, il fallait juste qu'il se transforme. Merde. Merde, 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 merde. Oh putain, ils ont tous regagné de la vie. Bon ben... Bon, on voit rien là. Allez! Oh non! Oh non, il était quasiment mort! Bon, c'est bon. J'ai perdu mon endurance, bonsoir. Oui! Et c'est qui? C'est Burter, d'accord, putain, mais. Sauf que je vais avoir du mal, là. Bon, Kaioken. Et aucun dégât. C'est bon. Guignou, frère, allez. Un autre? C'est qui arrive? Guldo. Ah oui, je m'en doutais. Ça fait mal. Allez, allez, allez. Vite avant que je perde tout. Eh, j'en étais sûr. C'est bon. Bon, allez. Oui. Comme elle fait masse dégâts celle-là aussi. Et bim, Guldo il me reste plus que. Ah Thalès il est juste venu pour leur donner les fruits en fait, après il est reparti. Oh non j'ai loupé. Oui. Bon, c'est pas grave. Ah!
Et j'ai gagné. Putain de bordel de merde. C'était chaud là par contre, hein. Thalès il se barre, du coup. Ok. Donc je vais sûrement affronter Thalès. Alors, ah, là il y a quelqu'un. On va voir ce qu'ils veulent. Ils vont me redonner du ki sûrement. Donc de la vie peut-être. C'est pas du ki. Ouais, de la vie. Nickel, full life. Ah, comme vous avez vu, j'ai pas perdu beaucoup de vie en fait. Hein. J'ai même pas perdu un quart de vie. Putain, ouais, j'ai géré là pour le coup. Vas-y, allez, viens. Bah, je t'attends, non? Vegeta. Et Thalès. Oh, bah. Allez, on y va. Moi aussi, je me transforme. Oui, je l'ai eu. Oh non, j'ai perdu le Kaioken. Mais je l'ai quand même eu. Avec le Kaioken, c'est quand même un x4. Et je l'ai tué, c'est bon. Allez. Oh, je l'ai eu. Il m'a eu. C'est bon. Ah putain. Ah oh. Oui, bah j'avais plus de ki en fait. Oh, j'ai perdu mon Kaioken x3. Allez, debout. Loupé. Bon, c'est pas grave. C'était le Kamehameha de l'espoir, mais... Ah ben, c'est bon. Je me transforme juste pour en... Parce que c'est classe. Comme ça. Voilà. Du coup, attaque pose des combats J. Ok. Bon, ben, voilà, du coup. Ça c'est pas mal. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal, du coup. Du coup, je ne pense pas... Alors, j'en ai débloqué une nouvelle, la 18. Épreuve d'entrée au commando Ginyu, Berter, Jesse et Ricom. Bon, ben, on va la faire. Une fois qu'on aura fini toutes les quêtes, j'essaierai de débloquer la 14, voir comment on peut la débloquer. Et de toute façon, je vous dirai ça. Donc, allez. Allez. Donc. C'est parti. Ah putain, j'ai Gulo. Avec moi. Bon. Tant qu'il me gêne pas, moi ça me va. Loupé. Et il est quasiment mort. Et il est mort. Ah, mais là, ça marque quand on obtient les techniques. Avant, ça marquait pas ça quand on obtenait les techniques, je crois. Si je me souviens bien. Je m'en souviens plus. Bim. Kaioken. Ça fait mal des gars quand même, hein. Et Ricom. On va finir. Va tuer Ricom, toi, bordel, là où. Bon, je me fais Ricom, alors, allez. Je vais essayer de le tuer
avant que je perde endurance, mais je pourrais pas. Putain, merde. Allez, viens là. Bravo. Là, j'étais trop con. Et il est mort. Oh. Et bim. Et il est mort. Ginyu, ok, bon. Ah, ils vont tous se réanimer, je suis sûr. Il faudra tous que tu me les fasses. Pas besoin de toi. Ricom. Et Burter. ベター。準備はできているだろうか。はい。フィニッシュはクラッシュアボールで決めますよ。まあ、クラッシュや。一旦ギッタにしてやりましょうぜ。こいつは勝てないほどの面白い戦いになりそうだ。 Bravo. Ah, loupé. Oh, là, Kena, il arrive à aider. Eh, il est mort. Ah non, il est pas mort. Et il est mort. Allez. Bon, d'accord, on va chercher quelqu'un d'autre. Ricom, allez. Nickel. Et voilà, c'est bon. On les a tous battus, du coup. Oui, comment je suis perdu. Je suis comme... Allez, bim. Ok, bon, deux petites attaques. Non, une attaque, une évasion, si je ne me trompe pas. Ou une attaque CP aussi, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez. Ah, bon, ben merci. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Mince, c'est là. C'est... Oui, il y en a une autre. 19, commando Ginyu en force. Bat tous les ennemis du commando Ginyu. On y va. Eh ben, il y en a des quêtes. Hein. Putain. Est-ce qu'on a d'autres persos en fait? J'avais pas regardé. Ouais, on a Guldo, Ricom, Burter. Comment il s'écrit? Burter, ok. Jesse et Ginyu. Et c'est tout. Ouais, pour le reste, c'est. C'est normal. Alors. Allez. Ah, d'accord, il n'y a personne. Ok. Bon, bah, du coup, on y va direct. Toujours. Chargement. Guldo. Ah, bah. Tu me fais mal dès l'entrée, quoi. Bim. L'énergie de 消耗があまりにも大きすぎる。
Bon, toi t'es mort. Ricom. Kaioken x3. Comment tu l'as mis? Allez, oh putain, ça a rien fait, j'avais pas assez de... Oh, j'ai perdu l'endurance au mauvais moment. Pourquoi il me battra pas avec ça? C'est qu'une IA. Et il est mort. Bon, bah, du coup, par là. Hop là. Ou peut-être que je suis re-rentré par là où j'étais. Enfin, sorti par là où j'étais rentré. Ce qui est con. Ah, bah non, c'est bon. Bien sûr, Jesse. Ah, bah, c'est bon alors. Yes! Ikzo, pata! Ah, j'ai perdu mon endurance au dernier au bon moment, quand même. Allez, vas-y. C'est bon. Et bim. Bon, ça servait à rien ce que j'ai fait, mais voilà, c'est marrant. こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。このギニュー様の真の力を見せる時が、まさかやってくるとは思わなかったぞ。ギニュー様。ハハ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 ハ
Bon, j'ai perdu mon endurance. Ah, Krillin vient m'aider. Merci, mon entraîneur. Eh, crève! Putain, mais il perd pas beaucoup de vie avec ça, hein! Eh bien! Allez, Guignon, où l'est? Wouah, comme il veut bien eu là, par contre! J'ai perdu l'endurance au bon moment, quand même, pour lui, hein! Ah mais merde, c'est pas bon. Laisse-le moi, frère. Bravo. Putain, mais merde. Putain, mais j'arriverai pas à le toucher. Hein. Eh, viens là. Putain, j'ai envie de le finir avec ça, mais. Je vais finir avec ça, allez. Et bim, voilà. Yatta janai ka. Pause de combat, ok. Bon, bientôt on a toutes les poses de combat, hein, pour le coup. Alors. Putain, vidéo un peu longue, c'est un peu chiant, du coup. Du coup, je sais pas si je vais le séparer en deux ou pas. Peut-être. Peut-être la séparer en deux. Bon, il y en a plus. Voilà, ça c'est bien, il y en a plus, il y a plus de quêtes. Par contre, il faut quand même que je réussisse à débloquer la 14. Donc du coup, je vais voir comment débloquer la 14. Vous, je vous expliquerai comment la débloquer, voilà, tout simplement. Donc à tout de suite. Donc, combat acharné, le commando Guignou. Tu as obtenu tenue de caillot 1. Tenue de caillot. C'est une récompense pour les services rendus en tant que policier du temps. Nous espérons que tu en feras bon usage. Alors du coup, il faut parler à cette fille pour avoir la tenue de caillou, ok. Bon, du coup, j'ai pas trouvé comment débloquer la quête parallèle numéro 14. J'ai cherché un peu partout, mais j'ai pas trouvé. Donc, du coup, si je trouve, soit je vous ferai une vidéo dessus, soit je l'écrirai dans les commentaires. Enfin, on verra, je trouverai un moyen, enfin, en tout cas, pour vous dire comment débloquer cette quête parallèle. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, ciao!